Salut tout le monde, c'est Skid Koutrezio. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Wet. Il me semble que c'est 3 ou 4, je me souviens jamais en fait. Hop, donc on va reprendre la partie. Au moins, c'est fait. Oui, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait. Comme je vous l'avais. Quoi, il me semble que je vous l'avais dit que j'étais partie à Bruxelles en fait en voyage, donc pendant ce temps, je pouvais pas faire de vidéo. Et après, en fait, j'ai pas eu le temps d'en refaire et j'ai tellement oublié que je devais partir à Barcelone. Donc du coup, bah, ça a fait un petit bout de temps sans vidéo, mais faut vraiment que j'arrive à me régler sur. Tous les combien de temps je dois en faire en fait, faut que j'arrive à me trouver un petit créneau pour les faire. Bref, je ne sais plus du tout où c'est qu'on s'est arrêté. Bon, je vais pas reprendre de la vie parce que j'ai la vie au max. C'est super, on reprend dans un ascenseur. Ok, bon, par contre, il y a du vent chez moi. Alors, je sais pas si avec le micro vous allez entendre le vent parce que moi je l'entends fort et en général, on entend à peu près tout ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que là, je vais bouger ma chaise et il y a des chances que vous m'ayez entendu. Bon, là, donc, ouais, souvent vous entendez des bruits quand je fais mes vidéos en fait, c'est parce que toutes les 5 secondes je bouge sur ma chaise parce que. Parce que voilà, par contre elle fait chier avec son ascenseur, ce serait bien que ça passe. Ok, mauvaise idée d'appuyer sur start, très mauvaise idée. Je sais pas pourquoi ils ont fait ces passages avec l'ascenseur, ça fait perdre du temps, je sais pas. Les touches, c'était quoi, le sabre et tout, je m'en souviens plus. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une souris, deux souris, 3, 4, 5, 6, ok c'est bon. C'est bon, c'est pas grave, il y a plein de souris. Il y a beaucoup de souris. Elle va un petit peu au bout. Faut juste que je lui retrouve. Bégayou. Ah, attendez. Enfin, c'est pour glisser. Donc, ça, c'est pour coup d'épée. C'est pour sauter. Ok. Ah, ok, ils sont là-bas. Ok. C'était ça. Est-ce que j'ai amélioré des trucs du genre. Non, il me semble que j'ai pas amélioré des trucs genre la cadence de tir ou d'autres choses comme ça. Bim. Yeah, je pense que je peux pas. Non. Non, je pouvais pas appuyer sur carré directement. On va prendre le petit singe. Et j'ai vu un truc orange sur le mur, si je me trompe pas. Yeah. Et je me trompe pas, donc il faut que je cours sur le mur. Il faut que je... Yeah. On va essayer de passer par là pour voir. On verra bien ce qu'ils vont nous dire de faire. Parce que je pense qu'il faut utiliser ça pour aller jusque là-bas. Non, comment on court sur le mur déjà? C'était pas la bonne touche, ça doit être sexy. C'est ça. Oh yeah! C'est passé. Ok, donc c'était bien comme ça. Je ne me suis pas trompée. Ok. Alors non. On va passer comme ça. Oh. Ah, puisqu'on y est, on va faire des pistons sur le mur. Ça sent pas bon du tout. Oh, je m'en souviens. Je déteste ce passage. Voilà, donc c'est pas grave. Je m'en souviens. Hop. Donc on va essayer de vite faire le truc. Hop. Hop, alors il y en avait un ici, voilà, plus 3. Et donc après, il me semble que j'ai une sorte de boss ici un peu. Yeah, mais saute! Ça fait une demi-heure que j'appuie pour sauter. Non, atterris pas dans le truc qui fait mal. Oh, super. Alors ça, c'était vraiment bien joué. Tout ce qu'il faudrait en fait que j'évite de faire, ce serait de sauter. Voilà, les mini-boss. Enfin, ce serait plutôt de faire sauter les explosifs, ça serait dommage. Donc hop. Hop, hop. Alors attendez, il me semble que. Il faut que je monte là-dessus. Comment je monte là-dessus? Bon, c'est pas grave. On va partir là-bas. Ouais, c'est bon. Je sais que j'allais sauter, mais de l'autre côté. On va passer par ici donc. Et pour monter. Ok, donc il y a l'autre qui me tire dessus. Super pratique. Comment je fais pour monter? Ah, je crois que j'ai compris. Voilà, comme ça, il fallait faire. Du coup. On va sauter de l'autre côté encore. Yeah. Ok. Et je vais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant du coup? Je sais pas du tout. Ouais, je vais passer ici. Et ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Bonjour les copains. Allez, meurs. Voilà, c'est bon. Et on va casser l'avant-dernier. Que je dise pas de bêtises, il m'en reste plus qu'un. Hop. Hop. Hop, enfin qu'elle saute plus vite. Ok, super. Je vais tuer tout le monde et après. Oh, bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais arrête de me tirer dessus. Mais non, il va pas sur celui qui est derrière. Et bam. Voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est à casser ça. Supprime les ennemis restants, c'est-à-dire toi. Et le gros patapouf qui me tire dessus. Ok, c'est fait. Hop. Ah, mais j'en ai marre.
Donc celui qui me tire dessus, là-bas, il faut que je tire sur les explosifs qui sont derrière. Comme ça. Ok. Au moins, c'est fait. Il n'était pas dur à tuer. Voilà. Ah, machin. Temps de réalisation, on s'en fout. Amélioration. Ça m'intéresse. Alors, aptitude de rubis et amélioration des armes. En cas dans du pistolet, 1500. Je peux me la payer. Ensuite, on a bloc de vie. J'ai déjà augmenté de 1. Après, ça va me coûter trop cher. Ok, ça coûte cher ici. Et je ne peux plus rien acheter parce que j'ai plus d'argent. Voilà. Machin. Oui, je vais garder les changements. Je préfère avoir une cadence de tir plus élevée. C'est toujours mieux. Voilà. Je me souviens quand la première fois que j'ai joué à ce jeu, vraiment j'étais coincée et j'avais cherché un gaspillage dessus pour m'aider. Et il me semble que j'avais pas trouvé autre supérieur pub en premier du truc, superbe. J'avais trouvé, le seul truc que j'avais trouvé c'était en allemand. Donc déjà je comprenais rien. Fallait que je regarde les images parce que moi je parle pas du tout allemand, j'ai pas de cours d'allemand dans mon collège. Et tout ça, et j'ai oublié ce que je voulais dire en fait, superbe. Oh cette bronde. J'ai totalement oublié. Ah ça c'était bien caché. J'ai totalement oublié ce que je voulais dire quoi. Je commence ma phrase et. Oui voilà, ça je me souviens. Et donc justement, par exemple du pistolet avec un autre tir, un allemand, machin truc, je me rendais compte que dans son gameplay, il tirait vachement plus vite que moi. Et je me suis dit c'est pas possible, ça veut pas venir de moi, puisque moi je canarde comme une phoque sur la gâchette et il se passe rien de plus quoi. Donc du coup ben je me suis rendu compte qu'il y avait une amélioration justement pour mes armes. Et donc du coup ben voilà. J'avais attendu je sais pas combien de temps pour rien. Hop, j'espère que c'était bien ça. Voilà, c'était bien ça. Ok. Non mais va de l'autre côté. Non mais sur le côté. Ah je peux grimper ici. Non. Et ben. Il y avait un truc de l'autre côté. Heureusement qu'il y avait un truc parce que moi si je l'avais pas vu en tout cas celui-ci. Ok bon on va continuer. Ok, enfin et de ce côté, là faut pas être vraiment stupide. J'ai un super reflet sur l'écran. C'est fantastique. Hop, on va passer ici. Et j'arrive 5 secondes, j'ai fermé le store parce que c'est vraiment horrible. Re tout le monde, j'ai fermé mon store. Voilà, j'ai plus de reflet sur l'écran. Maintenant je vois tout très bien. Il y avait un truc dans ces caisses, des munitions pour fusil à pompe que je n'utilise pas. Donc j'ai que le pistolet et le fusil à pompe. Ok, parce que normalement on a droit à une mitraillette. C'est tout je crois après, pistolet, katana, mitraillette, fusil à pompe. Ouais, on a 4 armes normalement dans tout le jeu, c'est super. On peut les améliorer bien sûr, hein, on n'est pas stupide. Super, en même temps je suis enrhumée. Ça va être bien, je vais renifler pendant toute la vidéo. J'avais pas encore reniflé depuis le début de la vidéo, bah maintenant ça a commencé. Je viens de ce passage, il faut que je tue tout le monde. Alors on va tuer tout le monde. Allez, mourrez. Ah, je pense qu'ils ont des bottes de baseball et vous avez un katana, vous voyez, c'est... Ah non, ok, il y avait un fusil à pompe ou un truc qui faisait pas en tout cas. Hop, et... ça s'est fait. Ok. Maintenant je crois qu'ils me font bien mal avec un botte de baseball. Hop. Donc vous voyez déjà, je tire un peu plus vite que tout à l'heure. Aucun rapport avec comment j'appuie sur le bouton, hein. Dans tous les cas ça va tirer doucement parce que c'est bloqué, c'est ça qui est un peu chiant d'ailleurs. La fille elle a ce pistolet et elle met 10 ans pour tirer. Hop. Et là, parce qu'elle a aucun pistolet dans la main et d'un coup quand vous mettez à tirer, elle en a un deuxième, vous voyez. Est-ce qu'il est dans sa poche? Non mais arrêtez de me tirer dessus, je regarde ses poches. Alors à savoir que... Ok ça va. Il y en avait un dans la poche, donc ça va. Bon, Ariane, tu vas creuser, ça va. Ok, merci, parle mieux. Faut que je fasse quoi, là? Faut que je fasse quoi? Ah, il faut rien que je fasse. Cinématique. Tant mieux. Qu'est-ce que... Non, fais pas ça! Mais non, j'ai pas envie de mourir! Alors, bizarrement, en bas, il y a une sorte d'acide ou je sais pas trop quoi qui va nous tuer. C'est superbe. Bon, bien sûr, on n'est pas mort parce que c'est le début du jeu. Ce serait dommage qu'on soit mort au bout de 3 épisodes ou 4 ou 5 ou 2 ou... Pff, c'est bon. Et nous, on a la grosse succateuse, la grosse mitraillette. Ça va être superbe. Va casser les trucs. On peut casser les trucs. Pas qu'un peu, d'ailleurs. Ok, donc il y a plein de barils. Ça va être pratique. Hop. Alors, ça m'a un peu de temps avant de tirer. C'est super chiant. Ben ouais, ça faut surtout pas que je fasse parce que du coup je fais exploser les barriques pour rien. Est-ce que c'est des barriques ça ou c'est des gens?
Ah ok, alors il y a qui me tire dessus. Hop. Il me tire plus dessus comme ça. Voilà. Ah il y en a aussi en haut. Oh purée, bah voilà pourquoi il fallait péter ce putain de bas. Ce baril. Oh c'est un peu mis. Hop, il y en a un ici qui me tire dessus. Hop, un là-bas. Il y en a toujours un entre les deux. Bon, voilà, au moins s'il y en avait, ils sont vraiment morts. Il y en a en bas, il y en a en haut, il y en a de partout, c'est superbe. Alors, vraiment, je suis désolée que ça tenait la manette vibrer. Parce que les vibrations elles sont activées et je sais plus comment les désactiver. Je sais plus. Paramètres de la manette. Hop. Voilà, ça c'est fait. Bon bah salut, j'ai retrouvé comment désactiver les vibrations de la manette. Il y en a encore un qui me tire dessus, je crois. Bon bah il y a plus personne qui me tire dessus. Ah si, à gauche, il va y en avoir. Bon, cette fois-ci. Tire. Voilà, est-ce que ça tue celui dessous? Voilà, au moins c'est pratique. Et on a fini de tirer sur tout le monde. Voilà, de comédie, comme quand on tirait sur les cibles à la maison. Le truc super chiant, on repart avec un ascenseur qui est chiant aussi au passage. C'est super cool. Il y a vraiment des trucs qui servent à rien des fois dans le jeu, genre les pubs ou l'ascenseur ou c'est tout je crois. Bon ça va, c'est pas énorme non plus. Je suis en train de réfléchir au prochain gameplay que je vous ferai quand j'aurai fini Catherine. Je sais pas trop si vous êtes Tomb Raider ou Spider-Man. Je crois que je voulais faire un autre truc mais je sais plus ce que c'est, faudra que je m'en souvienne. Au passage, un gameplay sur Mario Kart, je pense que je vais peut-être arrêter parce que... j'ai pas forcément le temps de le faire en fait, qu'est-ce que c'est sur Mario Kart. Et puis voilà, c'est tout. Mon let's play sur Mario, je vous ai déjà dit que les épisodes sortiront quand je pourrai les faire avec Adrien, parce que voilà, comme on est deux, je vais pas tout faire d'un coup non plus. Ok, alors je sais comment je vais faire. Hop, pam 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 pam. C'est parce que vous étiez dans la même pièce il y a 5 minutes en fait, il y avait de l'électricité, et là bizarrement dès qu'il y a l'autre qui rentre, il y en a plus hein. Hop, voilà, donc ça c'est ma seule utilité du fusil à pompe, c'est tirer sur les boss avec, parce que sinon, bah, ça sert un peu à rien, je trouve, hein. Le pistolet est largement assez puissant. Hop, dis-moi que c'est bon. Ah oui, c'est bon, vite. Attention. Bah voilà, il n'y a plus de main. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi sa main, elle a explosé comme ça, genre, c'est comme s'il y avait eu une vraie explosion, genre avec un... Avec la TNT ou quoi, enfin une très petite TNT, ouais, très très petite TNT, ça c'est sûr. En tout cas, dans ce jeu, c'est vraiment super poli, c'est très gay comme on dit. C'est pour les enfants. Interdit aux plus de 18 ans. On a sorti à moins de 18 ans, mais bon. C'est pas grave. Et bim! C'est Zidane, il a mis un coup de boum. Bon, et je crois qu'on a fini, si je me trompe pas. Alors le sang, il est... rouge fluorescent, c'est super. Par contre, vous voyez à quel point ils ont fait les détails quoi. Pendant les cinématiques, ils ont pas vu le truc orange qui est sur le mur. C'est superbe. Alors, amélioration. Ma vie ou autre chose, ma vie ou autre chose, ma vie ou autre chose. Ma vie. Hop, et j'améliorerai autre chose plus tard. Hop, oui, je vais garder mes changements trucs, machin truc. Est-ce qu'on attend de se faire un dernier niveau? On va se faire un dernier niveau, mais un dernier. J'arrive pas dû faire un dernier niveau parce que, en fait, celui-ci est très long. Superbe. C'était super fort. Bien joué, Goé. T'as fait le truc qui fingait pas. Bon, je pense que ça prendra moins d'un quart d'heure. En tout cas, j'espère que ça prendra moins d'un quart d'heure. Nous, ça va faire une vidéo d'une demi-heure. Bon, sûr, ça prendra pas 5 minutes. Pire, vous regardez cette vidéo en deux fois, donc bref, hop, sur la Turgen. Est-ce que j'ai acheté l'amélioration pour tirer? Oh yes! J'ai acheté l'amélioration pour tirer dans la Turgen. Je suis trop puissante. Non, si je pouvais pouvoir toucher quelqu'un, ce serait bien. Ah oui, je peux, c'est vrai. Juste que je sais pas viser. Bon, c'est qui sont les autres? Ya! Yeah. Ya! Yeah. Par contre, les musiques, on voit qu'elles sont pas du tout aléatoires, parce que quand on a déjà joué au jeu, c'est toujours les mêmes au même endroit. Oui, je m'en souviens, je suis trop puissante. Ouais, parce que. Dans n'importe quelle partie que vous allez faire, vous aurez cette musique dans ce niveau là. Et ok, c'est les trucs qu'il faut casser, les petites têtes de mort là. Vite. Voilà, deux coups suffit parce qu'il faut juste faire tomber un gong en fait. Hop,
Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, t'es mort. Il est encore derrière moi. Ok, il n'y en a plus qu'un par là-bas. Il est mort aussi. Donc on va aller trouver la prochaine tête de mort à casser parce que c'est pas comme si on avait tout notre temps. Hein. Disons qu'il y en a dans les coins. La dernière, je sais pas du tout où aller en fait. Voilà, il y en a une dans les coins. Il y en a rien en bas. Oh non, on va éviter de tomber parce que je sais pas ce que ça fait si je tombe. Hop. Honnêtement, améliorer l'épée maintenant, ça sert pas à grand chose. Hein. Regardez, je remets deux coups pour qu'il meure. Ok, c'est fait. Oh, 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 oh. Enfin, pour qui, toi? Il est mort, c'est bon. Et tac. Dans la tête, voilà. Bon, en fait, si les headshots servent à quelque chose, il me semble que dans le premier épisode, j'avais dit que ça ne servait strictement à rien. Alors que si ça sert, parce qu'il me semble que ouais, on peut les tuer plus vite. Mais bon, c'est quasiment... Enfin, j'allais dire que c'était quasiment possible de faire un headshot, mais en fait, non, pas du tout, c'est juste un peu chiant. Parce que je trouve ça super chaud de viser sur ce jeu, en fait. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Plus 75 points. Hop, fois 2. Ouais, ça c'est courir sur le mur pour avoir, ben non. Ah bah il est ici le dernier. J'irai vite trouver au moins. Hop, 1, 2. Parfait, sprint tous les ennemis restants. Voilà, donc on a Monsieur Grosse Sucfoteuse qui vient d'arriver. Hop, et je vais tirer dessus après quand il y aura un peu moins d'ennemis. Parce que comme ça, un peu moins d'ennemis, il y en a beaucoup j'ai l'impression. C'est une impression. Hop, et on va tuer ceux de derrière et normalement... Ça devrait être bon. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Tu sais, il se prend bien tout dans la gang, lui. Hop. J'espère qu'il va vite mourir, par contre. Oh, cette souplesse quand t'exotes, ta fille. Et t'arrêtes? Ah, carré. Carré. Et croix. Et bim. Et carré. Ah. Ah, j'aurais pas être lui. Ah, ça doit faire mal ici. Ah, non, il rojones. Ça doit faire mal. Alors, amélioration. Parfait. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Truc intéressant. Tire des barres et tire des rebords. Ça. Tire des barres et tire des rebords. C'est utile, on ne peut rien dire. Attends, quand pousser rive. Non, quoi? Quand pousser rime avec enfoncer. Hein? Ah oui, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Ok, quand pousser rime avec enfoncer, c'est bon. Pousse les ennemis ou les murs en se tendant dessus. Non. Non, tire des rebords, c'est plus intéressant. Ok. Oui, je veux garder les changements. Continuer. Ok, donc c'est pas fini. Quel dommage, je le voyais bien terminer, moi, ça. Ah, ça y est. Ah bah non, pub. Ils m'énervent avec leur pub, quoi. J'en ai marre. Je peux même pas les passer, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de passer la pub. On va pas être boss sur une pub, quoi. Oh, j'en ai marre. Mais ça sert vraiment à rien, quoi. Enfin, je sais pas, on s'en fout royalement qu'il y ait des pubs en plein milieu du jeu, quoi. Surtout que les pubs, elles datent des années 20. Là. Enfin, je sais pas quand c'est qu'elle a commencé à télé, ça doit pas être très loin. Enfin non, au début de Gakouer. Hop. On va ouvrir la pop-porte. J'ai un truc pour ma vie, mais je m'en fous. J'ai ma vie au max. Ah merde, c'est carré. J'ai ma vie au max. Bon, tu t'ouvres. C'est bon, c'est ouvert. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je monte par l'échelle pour aller voir mon monsieur qui est très mal coiffé. Ok. Oh, et wow! Le chip, il atterrit juste devant moi. Réflexe, j'ai eu des réflexes pour une fois dans ma vie. Hop. On va les tuer. Hop. Voilà, c'est bon, ça devrait passer, il n'y a plus personne. Et il faut monter à l'échelle qui se trouve. Qui se trouve. Ok. J'ai aucune idée d'où c'est qui se trouve. Est-ce que je peux grimper ici? Oh yes. Oh, je suis trop forte. Je suis trop forte. Et voilà, je suis arrivée à l'échelle. Parfait. C'est ce qu'il fallait. Hop, y'a pas quelqu'un qui m'attend là pour me frapper, je sais pas, en haut ou en bas? En haut. Oh bah tiens, j'ai eu raison. Ok, je prête à parier qu'en bas y avait un singe. En fait, non, je parie rien du tout parce que ce serait trop facile. Oh purée. Oh, y'a un singe. J'avais raison. J'avais raison. Bon, on va quoi. Ouais, du coup, ouais, je fais tout ça pour rien parce qu'il va falloir que je remonte. Hop. Hop. Et ok, y avait un ennemi dans l'escalier.
En gros, Escaline, ça sert strictement à rien à part nous faire marcher, c'est super. C'est super. Allez, ouvre-toi. Droite ou gauche? Gauche. Hop. Le type, il est passé, j'en ai pris une dans la tête, il est mort. Ok. Bon, bah, au moins, c'est fait. Hop, d'ailleurs, des munitions de fusil à pompe là-dedans. Même pas, y a rien du tout. Quelle bande de gros crevards. Yeah. Ah non, mais lui, c'est celui sur qui faut tirer et qu'on peut pas. Ah, oh, comment il nous nargue en plus. Il prend un ascenseur pendant que nous on doit passer par la porte, quoi. Purée, regarde avec les armes qu'ils ont, les ennemis. J'en ai pas me prendre ça dans la tête, honnêtement. Ça doit faire un peu mal, un peu beaucoup d'ailleurs. Alors. Un truc de vie, on s'en fout. Get one, get. Elles sont vraiment crasses. Ah. Je crois qu'il y avait un singe, mais non. La télé. Waouh, ce réalisme. Ok, super, c'est un festival. Ah bon, tu sais tirer avec une arme peut-être, parce que là t'as rien dans la main, mon gars. Si je te chope, t'es mort. Ah non. Bon, sauf, faut même pas que tu aies. Non, 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 j'ai failli tomber. Mais ça suffit, j'en ai marre. Ah, il y a un monsieur. Il y avait un mec derrière moi qui me tirait dessus. Ouais, on va monter. Hop, hop, hop. Voilà, plus un, superbe. Qu'est-ce que je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Voilà, on va tirer sur des gens. Faut vraiment m'expliquer à quoi sert le multiplicateur x1. Parce que, honnêtement, x1. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est par ici, je pense qu'il faut monter. Oh, je suis trop forte. Comment je suis trop puissante. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir? Ouais. Il y a un truc que je me demande. Je pense que c'est pas encore passé. Il y a un niveau avec un avion. Je voudrais savoir si le niveau avec l'avion est passé ou non. Hop. Je crois que c'était pas comme ça. Je crois que c'était pas comme ça du tout. Ok, bon, on va la refaire. En espérant que je pars démarrer trop loin parce que... Ok, alors il faut que je trouve un moyen de sauter sans tomber, un moyen de sauter au bon endroit aussi. Ça serait plutôt pratique. Par contre, le chargement est un peu chiant aussi. Ah, c'est ce qui est fusil, sont plus efficaces à courte portée. Non, sans d'accord, avec un fusil à pompe, c'était pour faire un sniper. Ok, bon, le chargement qui dure super longtemps. Merci, quoi. Oh non, on reprend d'ici. Allez, arrive de cinématique. Non, non! Aucun commentaire, merci. Purée. Je vais éviter de me refaire, ça serait sympathique. Ok, je me crois sur Naruto avec les chargements. Là. Oui. Cette fois-ci, j'appuie sur aucun bouton. Ok. Ok, c'est fait. Il y a un monsieur à tuer ici. Bam 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 bam. Je dis bam. Oh mais voilà, t'es mort. On monte les chèvres. On leur tire dessus à eux. Hop. Hop, ça c'est fait aussi. Voilà. L'autre est pas mort. Non, non, non. Maintenant il est mort. Ok, donc là je saute ici. Je vais monter. Et maintenant il faut savoir par où je vais passer. Je me concentre pour pas rester dans le vide en fait là. Ok. Alors maintenant. Bah ouais, mais je vois pas par où je peux passer à part par là-bas. Un gros bord en dessous. Oh, mais attendez. Pourquoi ça a pas fait ça tout à l'heure? Pourquoi ça a pas fait ça tout à l'heure? Oh, mais arrêtez avec vos pubs, là, c'est bon, on a compris. J'en ai marre. En plus, c'est quoi cette voix, là? Oh, superbe. Youpi. Pub de hot dog. On s'en fout. Tout ce que ça fait, c'est me donner faim, quoi. Oh. En plus, il y a des pubs vachement flippantes dans le jeu, c'est horrible. Enfin, même la pub de hot dog, elle est flippante, en fait.
Qu'est-ce qui se passe ici? Coucou, c'est moi! Ok. Bon, c'est pas grave, on va leur tirer dessus d'ici. Hop. Il y en a juste un là. On va se faire aussi. Ah! J'arrive pas du tout à tirer dessus. Ah, ça y est, on est mort. Mais il reste plus personne. Hein. Hop. S'il reste quelqu'un, c'est ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est des points. Après, c'est par ici, bien sûr. Alors, combien de paris je vais... D'accord. Donc, il fallait pas se tester sur l'échec. C'est déjà une bonne chose d'éviter. Ok, ok, ok. Hop. Il faut que je saute où? Ok, ici. Ya, ya, ya. Merde, ok, ok, ok. Mais il est juste là! T'es sérieux? Mais... j'en ai marre. Il faut que je fasse par où, moi? Ok. Bien sûr, moi, j'ai pas la canne de la porte. Sans doute un peu. Ok, oui. Oh, purée, purée, purée. Ah oui, je me souviens, il faut que je saute ici, il me semble. Voilà, c'est ça. Ok, bon, il y a encore un bas, il s'en fout rien. De toute façon, il peut pas mourir, on a compris. Oh my god. Ok, donc on va monter par l'échelle, hein, parce que je vois à peu près que ça qu'on pourrait faire pour le poursuivre. Peut-être des munitions pour fusil à pompe. Hey! Et on va prendre le shotgun. Voilà. Et on est presque arrivé, parce qu'on peut pas y tirer dessus, bien entendu. Ok, je suis où? Coucou, c'est moi! Et tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi? Eh ben, tu t'enfuis comme d'habitude, superbe. Super, super, super. Le mec qui est pas overcheaté, il prend pas les dégâts, il s'enfuit comme il veut. Hop. Attends, je peux dire, mais bon, le mec, il met vraiment longtemps à marcher. Parce que moi, le temps que je m'ai tué tout le monde, en fait, c'est le temps qu'il m'a marché en passant par des chemins plus courts que les miens. Donc c'est super. Oui, je sais qu'il y en a un derrière moi, vous inquiétez pas, je l'ai vu, mais je m'en fous un peu, en fait. Hop, voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Non, mais j'ai vraiment bête ce jeu, excuse-moi, mais qui va monter dans un ascenseur alors qu'on lui court après, quoi? Ouais. Ben moi, apparemment, pour le coup. Et on va encore attendre pendant je sais combien de temps. Je pense que ça va être le truc. Je sais pas si on a encore des niveaux comme ça, je m'en souviens plus. Le truc où on voit qu'en rouge, en noir et en blanc, je crois, si je me souviens bien. Le truc bien chiant. Mais bien, bien chiant. Et bien, c'est ça. Yo, pam! Avec une musique derrière et tout. Genre, c'est parti pour faire un petit carnage. Coucou! On voit rien, ça fait super mal aux yeux. Oh, oh non, je le déteste celui-ci, je meurs tout le temps. Je m'en souviens, je meurs tout le temps. Ah, mais franchement, il m'énerve en fait ce mode parce que, honnêtement, je sais pas vous, mais moi, ça me pète les yeux. Oi, oi, oi! Allez, frappe! Voilà, ça s'est fait déjà. Bon, j'ai envie de dire aussi, si je frappais les gens, peut-être que ça prendrait moins de temps. En fait, je vais descendre les trucs qui sont en hauteur. Et ensuite, j'irai casser ceux qui sont à terre. Comme ça, ce sera plus pratique. Hop. 1, 2, 3, il est cassé. 1, 2, 3. Il y en a de l'autre côté ou non? On va rester sur le bus, si on peut rester sur le bus, je ne sais pas. Chouchou, on peut. Est-ce que. Mais ah, arrête de! Je vais me tuer ce jeu. Hop. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus après en hauteur. Hein. Non, après ils sont à terre. Donc c'est bon si c'est à terre. Oh, et tu fais quoi toi? Je suis totalement perdue, là, je me retrouve pas du tout. Là, j'en ai appuyé sur le bouton pour sauter, mais ça a l'air d'avoir marché. Hop, donc j'ai celui-ci à casser. Hop, un petit dernier coup. On va me faire chier longtemps. Hein. Hop, on va casser celui-ci. Non, toi, je dégage.
Il y en a un là-bas, je l'ai vu. Il y en a encore un tout au fond. Et le... Ok, ben c'est bon. Je sais où ils sont tous maintenant. Voilà, donc il y a lui. Celui-ci. Et... Il y en a un tout au fond. Genre juste ici. Voilà. Et maintenant, il faut tuer les ennemis restants. Hop. Super. Voilà, c'est fait. Ah, mais il m'énerve. C'est bon? Vous avez fini de me faire chier maintenant? Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Continuez. Attendez, non. Ah, ça c'est bien. Qu'est-ce que je débloquais là-dessus? Rien de bien. Efficacité du pistolet. Oui, non, oui, non, oui, oui. Voilà. Oui, j'accepte. Continuez. Hop, qu'est-ce qu'il y a encore? Une pub? Non, ça va. Une cinématique! Alors, tu pouvais pas m'oublier. Ton père a sonné la fin de la récolte. Super. Il est temps de rentrer. Ah, mais c'est la fin! Il me semble que c'est la fin cette fois-ci. Triangle! Oh! J'avais la manette posée. À chaque fois que j'ai des trucs comme ça, j'ai la manette posée, c'est horrible. Il sait pas comment je fais, mais je le fais. Ah, pareil, dans Naruto, c'est ça le pire. Dans Naruto, c'est à chaque fois, s'il y a un truc comme ça, et à chaque fois, alors j'ai posé la manette et je suis en train de bouffer un truc ou j'en sais rien. C'est super classe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire sur King avec quelqu'un derrière? J'ai pas vu. Ah oui, il y a des gens derrière. Super. Oh mon dieu! Ils ont kidnappé le patron! Amélioration. Oui, ben. Ok. Ça ne sert strictement rien. Retour vers le menu principal. Bon, tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolée que ça fasse 30 minutes. Bref, moi, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.